Et bonjour à tous, on se retrouve ici en Chine sur ce nouveau circuit. Et moi je vous dis tout de suite pour le parcours. Voilà un circuit très sinueux avec une des plus longues lignes droites de cette saison de Formule 1. Et voilà, on voit un peu les statistiques du circuit, 16 virages, 2 zones de DRS, il fait 5 km 800. Pour ce tour lancé, ils vont lancer de retour dans l'air ici en Chine, ici en Calif, en Chine. Premier secteur en 26 secondes 918, le deuxième secteur en 56 348. Et attention, est-ce qu'on va avoir la pole à la fin? On va le voir dans cette ligne droite, on rentre. On fait deuxième, je pense. Oh, oui, derrière Hamilton. Il est très fin. Oh, 70 pour 60. Oh, regarde l'écart entre Rosberg et moi. Il y a 4 secondes pour la course. Et moi, je vais retrouver le premier virage. On est en deuxième position avec cette Force India. Et si je ne me trompe pas, l'autre Force India est 13e de notre coéquipier. Que va-t-il se passer au départ? Salut. Et ça démarre. Oh, très mauvais départ. Et on fait un moyen départ. Mais à l'intérieur, est-ce qu'on va pouvoir aller venir doubler Lewis Hamilton? Est-ce que ça va y être pour ce tour-ci? On est côte à côte. Ici, dans les premiers virages. Et ça passe sur Hamilton. Et Mackie Longeon tête à queue, qui a mené dans sa roue Sébastien Vettel, si je ne me trompe pas. Attention, un tour après, à la ligne droite. On a Lewis Hamilton qui va tenter, Nico Rosberg aussi. Attention, il sera des fronts, en freinage. Et attention, à la ressortie, on part très large. Et attention, Hamilton qui nous emporte. Et Rosberg qui vient avec nous, crash. Comme KMJ. On ressort au deuxième tour du coup en 8e position. Quel dommage. Quel dommage. Et là, ça bloque. Ça bloque et ça nous permet de dépasser. On a un dépassement illicite sur Vettel. Du coup, on doit le relaisser passer. Et à la fin du troisième tour, on rentre au stand. Attention, on se rate un peu. On fait la stratégie médium. On copie la stratégie de notre coéquipier. T'es sûr, mec? Il est juste derrière nous. Attention, on perd un peu de temps à cause du coéquipier. Oh, c'est pas les mécanos qui prennent du temps à venir. Et on ressort. Voilà, on est ressorti en 21e position. Et on va tout de suite aller attaquer Ricardo. Et on se retrouve dans le 5e tour avec Ricardo qui va nous attaquer. Attention à Ricardo, DRS, mais on arrive quand même à rester en tête. En 19e position, pardon. Et ça va s'arrêter aussi, je pense. Attention, au tour suivant, Ricardo qui retente. On garde notre position et bataille Raikkonen-Gutiérrez devant. Attention, à l'extérieur, il y en a plein qui sortent. Attention, Overlight, cela. On est à côte à côte avec Kiat. Je rappelle qu'ils ont des pneus frais, ils viennent sortir des stands. Attention à Verlaine, on a failli taper la roue. On se retrouve deux tours après. On passe Ericsson facilement. On va passer facile. Oui, j'ai chopé le DRS alors que Nasser il allait au stand. Au 11e tour déjà, on va aller y être menaçant sur Alonso, ça passe. Attention Alonso juste après, qui au DRS va tenter. On se retrouve au dernier tour, à l'entame du dernier tour, on a réussi à revenir sur le deuxième groupe. Et maintenant, est-ce qu'on va pouvoir passer troisième de ce Grand Prix? Oh, on a réussi à revenir, attention. Attention à la hache de Grosjean. Et ça passe quatrième dans le dernier tour. Et ça passe. Attention, Kenji qui voulait pas nous laisser passer. Mais quoi? Mais c'est dégueulasse, je peux même pas te passer, mais c'est pas un vrai championnat ça. Mais c'est pas ça, je te dis. Oh, il nous sert, c'est pas très fair play là. Merci. On va... Voilà, maintenant on va se faire... Et voilà, on finit quatrième à cause d'un malentendu chez... C'est Force India, il nous reprend des points au championnat, Kenji. On est 3 et 4. C'est déjà un bon résultat, moi je vous dis à la prochaine. On se retrouvera pour un épisode.
Peace.